Et re tout le monde, re bienvenue sur Dayspace, toujours en compagnie de mon Dave favori, Dave BZ. Salut! Et donc on en était, on devait aller dans une salle de communication. Est-ce que j'avais pris un point de force? Tu t'en rappelles ou pas? Non, j'ai pas de point de force. Non, t'avais modifié ta stase, je crois. Et j'avais pris ça. Non, c'est que le rig que j'ai modifié. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Et t'avais des munitions à récupérer. Ouais, Oula. Donc, ouais, je sais plus pourquoi, franchement, j'ai complètement oublié pourquoi de faire comme ça. On va arriver dans la salle de champion. Ah ouais, ça va être le kiff peut-être. Ah, fais gaffe, ça mange des munitions à mort, ça. Ouais, je sais. On va arrêter de faire le con parce que je suis encore crevé. T'avais chargé tes fusils d'assaut? Ah putain. Et bien sûr, j'ai pas racheté des balles, de toute façon j'avais plus de sous. Après avoir acheté le trancheur. Non, tu vas avoir des balles à côté, je pense. C'est ça en fait, le truc, c'est dès que je vais appuyer sur décontamination, ça va tomber de tous les côtés. Ouais, si je me rappelle bien, c'était ça. Décontamination en cours. Veuillez patienter. Voilà, c'est quand même une frustration. Je me rappelle que la première fois que j'avais fait, j'avais pas de mal. Pour la fin, t'as pas de. Si, si, tu m'as désolé. Je crois que je suis dans le seul coin, ou en fait dans les coins, c'est bon. Décontamination terminée. Okay, merci de votre compréhension. Merci de votre compréhension. Nous espérons que votre mort a été forte. C'est voilà, ça te fera toujours rire parce que ce sont des outils qui te permettent de découper de la tôle digitale pour ce qu'il y a avec. Et pas un corps humain. Ouais, t'arrives à les découper, mais il en faut un morceau, quoi. Ouais. Tu crois qu'il y a un truc là-bas? Moi, en vrai de vrai, je croyais qu'à la place d'Isaac, je me prenais un tas de trucs d'air, je longeais le vaisseau à l'extérieur de la coque. C'est clair. Je traversais pas tout. Ah, mais j'ai bien fait de. Ah oui, t'avais plein de passages après la fin comme ça. Ouais. Tentacule et compagnie. Ouais. Si je me rappelle bien, ça. Il y a une tentacule. Ouais. Ouais, si, un petit peu comme ça. Ouais, une boule, c'est bien.
bouteille. Fais gaffe, hein, elle son costaud, faut éviter. Ouais, je sais. Pistolet laser de mon compte, on va chanter une fois que tu es campé. C'est clair. Et vu que je suis un gros sac, vous connaissez la suite. Je les avais pensés, moi, les points de sauvegarde. Et encore pour la vidéo, c'est sympa avec les viewers. Comment ça? Tu fermes pas trop les points de sauvegarde. Sortie moi, jaune sans gravité. Je trouvais des munitions, t'allais sauvegarder. Ah ouais, c'est bon. Ouais, entrée zone sans gravité. Je suis pas comme ça. J'aime pas perdre mon temps dans les sauvegardes. Ah oui, bon, je me rappelle. On sent bien le magnétisme des bottes. Hein. Tu vas avoir des bébés. Oh. Ouais, les bébés, t'es sérieux? Les bébés? Ouais, je peux descendre, mais pour moi, je vais essayer de faire le maximum de super licence. Je crois que c'est ta puissance. Donc, Il faut d'abord que je les coupe, comme ça. J'ai apprécié mon. Je sais même plus comment on fait. Désolé, les touches. Voilà, ça date le jeu aussi. Voilà, c'est vrai. J'ai les touches qui sont pas inscrites dans ma tête. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Sortez de là.
quoi. Mets ton... mets ta carte. Hein? Pourquoi il me reste devant 10? Que toi? Ouais. Ah ouais, il faut tourner. T'arriveras pas à le stopper. Oh putain, ça va être chaud. Ouais, il faut y courir après. Youhou. Allez, vas-y, bloque-toi comme une grosse merde. Qu'est-ce qu'il me fait? Il court plus, et là, t'es... ça va faire mal, ça va piquer, ça va piquer, ça va piquer. Chérie, ça va piquer. Oh. Oh putain. Eh ben moi, ça m'avait fait pareil. Ah ouais, c'est... ça t'a découpé, quoi. Ah, mais le truc, il n'a pas de, de ralenti, t'as pas l'air qu'il le freine. Tes bottes, elles sont tellement fixées au sol, ça t'a décroché les genoux. Donc, t'as 3 monstres à éliminer, les 2 trucs à coupler, et après, il ne faut pas se louper, il faut vraiment courir droit dans le... Non, je pense qu'il faut partir de l'autre côté. Il me semble que j'avais fait un truc comme ça. Plus la gravité. Centrifugeuse activée. Ouais, rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Les corps sont retombés. Ah, il fallait y aller direct, t'as vu que t'as un temps de départ. Ouais, je me suis fait tuer. Là. Beau travail, Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Ah, il faudrait avoir cette espèce de couteau magnétique, tu sais, comme ils ont dans le dessin animé. Ah ouais. Je crois que tu l'as aussi sur un jeu sur Wii, je sais plus le titre. Ah, le truc avec le pistolet, là. Ouais, et sur Android, ils avaient fait un jeu Dead Space, tu l'avais aussi. Ouais. Il était pas mal, d'ailleurs. Ouais, j'avais bien aimé. C'est joli et tout. C'est vraiment bien fait. C'est très stylé. J'espère que Dead Space, ils vont continuer là, la saga. Bah, il y en a un qui est prévu. 4. Ça m'a l'air d'être plus que des rumeurs. Donc je sais pas si ça va être véridique. Parce que Dead Space, c'est pas comme certaines licences comme Resident Evil. Chaque année, ça sort. Voilà. Ouais, c'est sûr que Dead Space, c'est pas le truc que tu as le plus fort. Faut qu'ils arrivent avec un jeu nouveau travaillé et tout quoi. Ah, moi je l'attendrai celui-là. Ah putain, bon, je serais content de me refaire un Dead Space perso. Et il faut qu'ils gardent le coop. On est toujours pareil sur le multiplateforme, ça serait terrible. Ben le truc que j'avais lu c'est qu'ils allaient se concentrer sur le côté horaire. C'est vrai que ça avait fait défaut dans le 3. Hein. Le 3 il y avait le coop mais t'avais plus le côté horaire. Ouais, dans le 3 c'était surtout le... Là, c'était du shoot quoi. Ouais, on peut dire ça. Le 2 encore, ça allait, c'est... Mais ça vaut pas le 1, t'es cloisonné dans l'Ishimura, t'es perdu au milieu de nulle part. Sortie zone sans air. Ouais. Et je vais arrêter là, ma foi, hein. Vous m'avez vu crever encore lamentablement une fois. Cet épisode sera peut-être un peu plus court. Et bon, de toute façon, vous savez, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode sur l'espèce. Allez, tout le monde, ciao.